Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, on va passer un bon moment, j'ai pris plusieurs jeux, des oracles, des tarots, donc on va voir quels sont les messages du jour. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté. Et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, avant de commencer, je vous dis un grand merci, merci du fond du cœur, merci pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour votre confiance, pour les mails que vous m'envoyez, voilà tout ce que vous me partagez. Je vous remercie infiniment pour tout cela et merci pour la magnifique communauté que l'on forme tous et toutes ensemble. Voilà. Allez, on y va, mes amours, sans plus attendre. Tac. Oui, information importante pour les nouvelles et les nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue. Toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles, à l'exception de quelques-unes d'entre elles, notamment concernant mon mensuel qui s'intitule The Good Vibes Diary, qui est un mensuel qui sort, voilà, qui te donne tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter sur le mois suivant. Voilà, donc c'est une lecture qui se fait en deux parties. Dans une première partie, tu as un choix, et en deuxième partie, on va encore plus en profondeur avec les signes astrologiques. Voilà, et il y a également en fonction, là récemment il y a eu le portail du 888 et à l'approche d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, je fais également des guidances intemporelles sur les énergies lunaires. Allez, mes amours, donc je contextualise ce qu'il se passe avec la personne de ton cœur, ce qui te confirme que tu es bien sur la bonne guidance. Si ça ne te parle pas, n'hésite pas à changer de guidance, ok? Et prends uniquement les messages qui résonnent. On est sur de la guidance générale, donc il faut vraiment que ça te parle. Ok, alors déjà, clairement, bon, tu as quelqu'un dans le cœur. Il y a clairement, clairement une personne dans le cœur. Alors, j'ai déjà pas mal de messages, ok? Oh, ok. C'est trop beau. Ok, bon. Alors déjà, par rapport à ta personne de cœur, c'est une personne qui concrètement espère avoir une conversation honnête avec toi. C'est une personne en tout cas qui y pense. C'est une personne qui a besoin, comment te dire, de sortir de sa peur pour avoir cet élan d'espoir, de foi, mais même c'est vraiment être sans peur, parce que là je ressens une personne qui est dans des énergies peut-être de stress ou angoissée ou voilà. Alors on a une personne en fait qui a besoin d'ouvrir son cœur, qui a besoin de te parler, de te dire ce qu'elle ressent réellement. C'est une personne déjà, ce que je peux te dire, c'est que mutuellement, vous vous apportez du soin. Je vois une connexion qui permet de guérir certaines blessures. Peut-être que vous portiez en vous et qui étaient des blessures issues de relations précédentes ou bien alors des blessures, hein, tu connais les cinq blessures de l'âme certainement, qui étaient issues par contre de votre enfance de respective, possiblement de l'adolescence pour certaines personnes, d'accord. À toi de voir comment ça résonne. Il est question d'un mariage, en l'occurrence, dans cette relation. Est-ce que c'est une personne avec qui tu es mariée ou engagée? Est-ce que c'est une personne qui est engagée de son côté ou est-ce que tu es engagée de ton côté? Parce que là, j'ai vraiment aussi les triangulaires, concrètement. Ou alors, ça peut faire référence, si ça ne te parle pas du tout, ne prends pas, hein, bien évidemment, ça peut faire référence à... une discussion honnête sur l'engagement ou le fait de s'engager l'un ou l'une avec l'autre. Ok, très bien. En tout cas, je ressens entre vous une connexion qui est une connexion qui se fait en fait au-delà des mots. C'est une connexion qui se fait par le regard. C'est une connexion qui se fait lorsque vous êtes ensemble. J'ai vraiment le côté physique qui est important et le fait de la présence de vos deux êtres ensemble, c'est comme j'ai une attirance magnétique.
Ok. C'est une personne à qui tu ne peux pas résister et c'est une personne qui ne peut pas te résister. Alors pour certaines personnes, là, on va faire référence aussi à une personne qui possiblement est angoissée ou stressée par ce qu'elle ressent ou par cette perte de contrôle qu'elle peut avoir lorsqu'elle est avec toi. Ok. C'est ce qui peut expliquer une fuite hein, pour certaines personnes. Ok, bon, on va voir. À propos de l'espoir d'avoir cette discussion avec toi, ok? Alors, c'est peut-être une personne qui attend d'avoir de tes nouvelles aussi, hein, possiblement. Ok. Bon, j'ai vraiment, vraiment, vraiment des sentiments. Ou alors, si ça n'est pas des sentiments, c'est... Parce que pour certaines personnes, voilà, ça parlera différemment en fonction de l'état actuel de la relation et d'où vous en êtes, évidemment, si c'est une personne que tu as rencontrée il y a peu de temps. Je ressens ce lien très très fort. Ok, à propos de cette discussion-là qui est attendue. Oh là là, ok, bon, c'est trop beau. Alors concrètement, je pense qu'il y a eu des choses. Soit par rapport à ta personne, soit par rapport à toi, mais en tout cas par rapport à cette discussion, c'est une personne en fait qui veut stopper une dispute ou stopper des désaccords ou stopper un quiproquo. J'ai le sentiment... Oh, ok. Je pense qu'il y a quelque chose qui t'a blessé ou qui a blessé cette personne profondément. Et en fait, c'est une personne qui ne veut pas rester là-dessus. Cette personne ne veut pas rester sur soit cette dispute, soit ces désaccords. C'est une personne qui ne... Ça lui prend la tête, en fait. Tu vois, ça la met extrêmement mal. J'ai du mal à parler. Extrêmement mal. Elle en a même peut-être eu le souffle coupé, tu vois. C'est une personne qui veut retrouver la joie, le bonheur et qui veut concrétiser les choses. Ok. Pour moi, en fait, ta personne, alors je le redis, je suis navrée, mes amours, il est possible que ce soit une personne avec qui tu es en triangulaire ou alors une personne qui... Ah aussi, ça peut être un couple, peut-être que vous formez un couple avec un enfant ou des enfants, mais je vois particulièrement, ça peut être un enfant aussi qui est sous le même toit, c'est drôle, hein. Typiquement, tes enfants sont peut-être grands, mais il y en a un qui est sous ton toit ou en ce moment pour les vacances, ou ça peut être, tu vois, ou un enfant qui est revenu à la maison pour certaines personnes. Ok, bon, ce seront des confirmations supplémentaires, ça ne parlera pas à tout le monde. Concrètement, en fait, on a une personne qui veut sortir de ses prises de tête parce que ta personne, elle le vit mal. Elle le vit extrêmement mal, ses disputes, etc., etc., elle ne veut pas de cela. Ou elle n'en veut plus. C'est une personne qui veut du bonheur, de la joie et qui veut retrouver cela. Mais de ton côté, je pense que possiblement cette personne a été longue ou a été longue avant de ou est longue avant de cheminer, de te faire une proposition. Et j'ai le sentiment que toi, entre-temps, possiblement, eh ben, tu as peut-être reçu d'autres propositions, refait ta vie. Ou Ok. Ou alors, il est possible qu'il y ait plusieurs personnes dans tes énergies ou que tu aies plusieurs propositions, que tu aies... Voilà, ça se trouve, je fais référence à une personne à qui tu n'es plus. Possiblement, c'est une personne à qui tu es. Mais c'est comme si, en fait, tu ne voyais que cette personne d'un point de vue énergétique. Toi, tu ne penses qu'à cette personne. Et je te vois extrêmement stable hein, pourtant. C'est comme si en fait j'avais le sentiment que tu attendais toi aussi un pas de que cette personne vienne vers toi ou que cette personne te dise les choses ou que cette personne mène une action, mais cette personne soit ne l'a pas fait, soit est extrêmement lente à le faire, ou alors si vous êtes ensemble. Tu sens qu'elle veut te parler, mais elle ne le fait pas nécessairement. Tu vois, à toi de voir comment ça te parle. Et c'est comme si toi, je te voyais en fait, entre guillemets, comme bloqué sur cette personne ou sur le devenir de cette relation. Ok? Et si vous êtes en couple, que vous êtes marié,
Typiquement, ça peut être aussi, ou que c'est, alors pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi d'attendre une demande en mariage, ou une demande d'engagement, ou une officialisation, ou le fait de se dire, bon, bah voilà, on se fréquente de manière exclusive. Enfin, tu vois, à toi de voir comment ça parle. J'ai envie vraiment qu'on avance ensemble, de voir ce que ça peut donner. Voilà, en fonction des steps, voilà, de l'évolution de la relation à voir. Toi, je te vois extrêmement solide. Je te vois avoir conscience également de ce qu'il se passe autour de toi. Je te vois dans le concret, concrètement, à l'heure actuelle. Même si c'est une personne qui a pu pendant un long moment ou qui, à l'heure actuelle, à toi de voir, peut te placer dans le flou, dans des incertitudes ou peut t'avoir bloqué. Parce que j'ai vraiment le sentiment d'être bloquée pendant un moment et en réalité, après de comprendre que, eh bien, dans la situation, il y a des choses que tu maîtrises, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Je vois un lâcher-prise, mais un lâcher-prise qui, tout de même, fait que tu es quand même rivé sur cette personne. Il n'y a que cette personne qui compte. Et typiquement, je te donne un exemple, une personne qui est célibataire, possiblement, je vais prendre cet exemple-là, et qui a plein de choix, plein de personnes, qui est courtisée, ou qui a plein de possibilités qui plaît énormément, elle ne voit que cette personne-là ou cet ex avec qui elle n'est plus, et elle n'a Dieu que pour lui ou elle, tu vois, typiquement. Et elle attend quelque chose de cette personne, même si elle a lâché prise et qu'elle a conscience de ce qu'il se passe dans la relation, pourtant elle attend cette personne. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il va y avoir un mouvement, il va y avoir une avancée déjà pour toi. Tu vas sortir de ce côté suspens, parce que là, j'ai vraiment des personnes qui, possiblement, ont été maintenues en suspens ou tu vois, ne savaient pas trop ou ne savent pas trop ce que l'autre veut, voilà, comment ça évolue. Ou bien alors, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien, vous êtes à un moment dans votre relation où tu ne sais pas trop ce que ça va donner, ou c'est un peu, voilà, taciturne, quoi, je dirais. Et là, ce que je vois, en fait, c'est que d'un côté, ouais, je vois clairement, clairement, clairement. Alors, pour beaucoup de personnes, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça va être un. Ça va être un renouveau dans une relation. Alors là, j'ai plusieurs messages. Possiblement, ça peut être une nouvelle personne autre que cette personne qui est dans ta vie ou qui te fait une proposition. Toi, tu as besoin d'y réfléchir. Je te vois quand même te. Ouais. Oh, c'est trop beau. Oui, je vois vraiment une évolution. Ok. C'est fou, hein, parce que tu vois, aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur toi. J'ai tes énergies, donc. Il faut que je te transmette les messages, c'est voilà, c'est vraiment ta guidance, il faut que ça résonne. Possiblement, peut-être que tu as une personne qui voilà, qui anime ton cœur, ou une nouvelle personne, ou un début de relation, ou un renouveau dans une relation. Pourtant, toi, je te vois tout de même en mode, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'y voir plus clair, ou peut-être, possiblement, j'attends de voir si j'ai des nouvelles, ou j'attends de voir ce que l'on me propose, j'attends de voir comment ça avance également. Parce que toi, je te vois dans le côté fougueux, passionné, je te vois comme une personne extrêmement généreuse, à la fois de ta personne, mais fougueuse, tu vois, une personne qui est très feu et qui a besoin d'un point de vue sentimental de s'emballer. De ressentir cette passion, même si je te vois tout de même comme une personne qui est équilibrée émotionnellement, qui a appris de ses erreurs, qui a vécu des expériences de vie, même si tu es très jeune, où il y a une maturité chez toi émotionnelle qui est. C'est comme si tu étais plus mature que les autres. Typiquement, si tu es un jeune majeur ou une jeune majeure, tu es quelqu'un de plus mature que ton âge, parce que tu as vécu des choses, tu vois, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit d'un point de vue familial, ou dans les exemples que tu as pu avoir,
autour de toi, tu vois, les couples avec lesquels tu as grandi, par exemple, ça peut être tes parents, tes grands-parents, les parents de tes amis, tu vois ce genre, tu vois ce que je veux dire? Je ressens en toi le côté fougueux, émotionnel et passionnel, mais dans ce qui est sain. C'est-à-dire que pour moi, il y a dans cette relation amoureuse que tu vis ou que tu as vécu, la personne du moins pour laquelle tu regardes, il y a eu un soin mutuel qui a été apporté. Et tu te suffis à toi-même et tu t'aimes toi-même. Et d'ailleurs, mes amours, ça je vous y invite constamment, alors évidemment à faire des affirmations positives, mais également je vais te demander de faire quelque chose pour moi. Voilà, tu peux dire que tu t'engages à le faire. Si tu le souhaites, évidemment, tu as ton libre arbitre. Mais ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est que une fois que tu finalises, enfin, soit tu mets pause ou alors tu as fini de regarder la guidance, va devant le miroir et dis, toi à toi-même en te regardant droit dans les yeux, que tu t'aimes. Je t'aime. Dis-toi, je t'aime. Je t'aime à moi-même. Se dire je t'aime à moi-même est extrêmement important. Ça peut être drôle, ça peut être voilà, mais c'est un exercice en fait qui est important. Tu es dans l'amour-propre et tu t'aimes toi-même, tu as conscience de ta valeur. Et c'est comme si en fait on était en train de me montrer que tu avais conscience en fait de la personne extraordinaire que tu es. Et je te vois quitter tout ce qui peut déstabiliser tes émotions. Alors j'ai peut-être vraiment, vraiment, vraiment des personnes qui quittent une situation, qui ont quitté une relation, qui quittent un état d'être aussi, voilà, émotionnel qui n'est pas top, et qui retrouvent le bonheur, qui retrouvent la joie. Je vois vraiment une évolution d'un point de vue émotionnel. Et c'est à la fois ton lâcher-prise. Alors là, tu vois, c'est drôle. Ok. C'est comme si on était en train de me montrer qu'il y avait des choses qui étaient en train de travailler à l'intérieur de toi. C'est particulier, hein, ce que je dis aujourd'hui. Et c'est le soin, en fait. C'est comme si, tu vois, tu te sentais totalement délesté d'un poids parce que tu es guéri, tu es soigné. Ou alors tu es en train de te guérir, ou alors tu opères ou travailles à quelque chose à l'intérieur de toi-même. Ça peut être pour ton corps, ça peut être le fait de te sentir bien avec toi-même, de te retrouver, de retrouver ton corps, de retrouver tes sensations avec toi-même. Tu vois, la conscience vraiment d'être dans l'instant présent, du réel lâcher-prise. Et de quitter en fait tout ce qui est un poids pour toi, totalement. Et grâce à cela, grâce à ce lâcher-prise, grâce à cette prise de conscience qu'en réalité, eh bien, il n'y a pas de dépendance affective chez toi, ou il n'y en a plus pour certaines personnes, il n'y a pas ou il n'y a plus, ni il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment. Il n'y a pas peut-être un pardon à effectuer, pardon, tu vois, on me corrige. Mais tout ce qui drainait tes énergies en lien avec cette relation part. Et si ça n'est pas le cas, on te dit que ça vient à toi, c'est sur du prédictif. Si là, tu es en train de me regarder et que tu te dis non, oh là là, mon Dieu, en réalité, c'est la catastrophe, je suis au bout de ma vie, je me sens vraiment pas bien. Ça arrive. J'ai réellement le soin qui est apporté à ta personne et la prise de conscience que ce qui t'a mis à terre, ou peut-être que tu as vécu une trahison, ou alors que vos disputes, ou les quiproquos, ou les échanges ont conduit à quelque chose qui a fait que tu t'es senti peut-être rejeté, ou trahi, ou blessé, tout simplement, dans la relation. Tout cela, tu parviens à le surmonter. Alors, j'ai vraiment des personnes qui, possiblement, voilà, voyagent, ou des personnes qui s'ouvrent également à du renouveau, tu vois. Mais j'ai vraiment ce sentiment d'une guérison à l'intérieur de toi-même, de la prise de conscience de qui tu es et de ta valeur, même si tu es une personne qui a conscience de sa valeur au global et qui est une personne qui sait
ce qu'elle a à offrir, ce qu'elle donne, ce qu'elle partage, qui est dans l'amour et l'amour inconditionnel, là, ça passe à un tout autre niveau. Ouais. Concrètement, en fait, ce que je vois, c'est que petit à petit, doucement mais sûrement, tu vas parvenir à soigner tes blessures. Tu vois, ça me fait penser à un petit oiseau qui a été blessé et qui est soigné et ensuite qui s'envole et qui se sent libéré et qui se sent libre. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très beau ce que je vois. Ok, allez. Et cette personne-là, donc cette personne qui voudrait avoir cette communication honnête avec toi, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Parce que tu vois, là, je me suis concentrée sur toi. Oh. Ok, bon, c'est bien. Alors, cette personne, elle chemine vraiment à son rythme. Hein. C'est compliqué. Alors, possiblement, c'est une personne, ça peut être un parent isolé, possiblement, ou tu es un parent isolé. Ça peut être une personne avec qui tu as des enfants, ou tu as eu des enfants, ou bien alors vous avez parlé d'enfants, ou vous étiez engagé, ou vous aviez des projets communs, en tout cas. Ok? C'est une personne, en tout cas, que je vois de son côté assez stable dans la matière, ok? Par contre, ça peut être une personne qui, possiblement, ressent le besoin de se préserver. Ça peut être une personne qui peut être parfois égoïste, je suis désolée, je le dis, qui pense à elle ou qui se priorise. Ou une personne, tu vois, qui se préserve un peu trop, ou une personne qui... Ça peut être aussi en lien, vous pouvez avoir des soucis à vous rassembler ou à vous retrouver parce que c'est une personne qui, d'un point de vue financier, possiblement, une personne qui fait des économies ou a besoin d'économiser ou a besoin de se sentir bien d'un point de vue de sa condition même sociale, je dirais, pour être avec toi. Il y a peut-être une dissociation entre vous, possiblement. Ou alors, c'est une personne qui, pour être avec toi, si vous n'êtes pas ensemble, si vous êtes ensemble, voilà. Mais possiblement, si vous n'êtes pas ensemble, pour être avec toi, cette personne, nécessairement, ça peut la pousser à sacrifier quelque chose. Je te donne un exemple. Une personne qui était, par exemple, mariée à quelqu'un d'autre, qui n'est pas divorcée officiellement ou voilà, ou... Il n'y a pas de séparation entre les de biens, hein, personne n'a récupéré ses billes. Si elle, une fois qu'elle officialise le divorce, par exemple, avec cette ex-personne, pour être avec toi, hein, évidemment, c'est une personne qui va diviser ses biens, voilà, peut-être payer une pension ou un versement, etc. Tu vois, c'est un exemple. Ou alors, ça se trouve, c'est une personne qui n'a pas d'enfant. Ah, aussi, possiblement, peut-être que toi, tu as des enfants, cette personne n'a pas d'enfant. C'est possible. Ou inversement. Il y a l'aspect financier et matériel qui est important pour cette personne, soit parce qu'il y a une différence d'un point de vue social de part et d'autre, ok, soit parce que, et cette personne ne se sent peut-être pas à la hauteur ou n'a pas suffisamment ou voudrait que, voilà, pour pouvoir être avec toi, possiblement, ou alors... Ça implique, typiquement, je te donne un exemple, ça se trouve, c'est une personne qui est extrêmement confortable, tout lui réussit, mais vous vivez dans deux villes différentes ou dans deux pays différents, et donc, nécessairement, cette personne, pour pouvoir être avec toi, il faut qu'elle fasse un choix, ou, eh bien, elle va, pour te dire oui, il faut qu'elle dise non à certaines choses, tu vois, et ça a une incidence sur, eh bien, son logement, son travail, etc., etc., sur la matière, en tout cas. Ok. C'est une personne qui... Quand elle pense à toi, éprouve des sentiments qui sont des sentiments, comment te dire? Il y a une certaine forme de dualité chez cette personne. À la fois, c'est une personne qui est en joie. C'est une personne qui a envie de venir vers toi, de passer à l'action, qui se sent libre à tes côtés, qui se sent bien, qui se sent joyeuse, heureuse. Et à la fois, c'est une personne qui... peut se sentir dépassée, pas suffisamment forte, où les choses peuvent être trop lourdes à porter d'un point de vue de ce qu'elle ressent, ou alors ce passage à l'action est difficile pour ta personne.
typiquement le fait de discuter avec toi, d'échanger ou d'avancer dans la relation. Voilà. Ok. Bon, ça parlera différemment en fonction des personnes. En tout cas, clairement, ah, j'aime bien cette personne. J'aime bien cette personne. C'est une personne qui, lorsqu'elle pense à toi, alors déjà, c'est une personne qui veut être avec toi et personne d'autre. Et cette personne ne veut pas que tu sois avec quelqu'un d'autre non plus. L'idée que tu puisses faire ta vie avec quelqu'un d'autre ou être avec quelqu'un d'autre ou la quitter définitivement ou laisser le lien ou la quitter, hein, ça se trouve, vous êtes ensemble depuis longtemps et c'est juste des hauts et des bas. Et l'idée que tu puisses quitter cette personne, c'est quelque chose qui lui fend le cœur et qui, limite, peut lui faire monter les émotions, pleurer, etc. Je vois une personne très émotive et très sensible quand... il est question de votre relation et surtout de toi en particulier. Typiquement, je te donne un exemple. Une personne, si vous êtes séparée ou deux personnes qui sont séparées, si elle a un ami ou une amie ou ses amis ou sa famille, peu importe, qui dit « Alors, comment va un tel? T'as de ses nouvelles depuis que vous n'êtes plus ensemble? » Oh, c'est une personne qui, tout de suite, elle a les émotions qui montent bah, il y a le cœur qui se... C'est dur quoi. J'ai une personne qui a des sentiments pour toi. Alors je le redis, possiblement soit vous avez des enfants ensemble. Alors j'ai des personnes qui ont des enfants ou des petits-enfants, entre 1 à 3 enfants pour certaines personnes. Voilà, ce sont des confirmations. Même en famille recomposée, possiblement, d'accord. Hein, vous le savez que je ne fais pas de distinguo. Hein, voilà, tu vois comment ça résonne. Ou alors c'est une personne qui se projette avec toi et avec des enfants. J'ai une personne qui t'aime et j'ai une personne sur qui tu peux compter, une personne qui est là. Ça peut être un bon père de famille aussi, tu vois, typiquement. Ou une bonne... la matriarche, la maman, tu vois, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin des autres, qui est là. J'adore ces énergies. C'est une personne qui, concrètement, c'est comme si, en fait, avec toi, elle avait... c'est drôle ce que je vais te dire. C'est comme si elle avait ferré... sa proie, enfin, ou eu vraiment le gros lot, quoi. Remporter le gros lot, gagner le gros lot, c'est la chance. Mais c'est quelque chose pour cette personne qui. Comment te dire? Elle a gagné à la loterie, mais c'est quelque chose qu'elle a du mal à gérer, tu vois. Toi, de ton côté, je te vois comme une personne très indépendante, très fougueuse, solitaire, une personne qui bouge, qui change d'avis, qui. Voilà. Il faut soit te garder, soit être en constante activité ou comment te dire, être dans le renouveau constant avec toi parce que tu es très solitaire. Donc, faut pas te laisser t'échapper. C'est ça que j'ai. Ouais. Alors, pour moi, cette personne, j'ai clairement une communication qui arrive. J'ai clairement une communication qui arrive. Et cette communication, elle arrive une fois que cette personne, elle a pris conscience des choses ou qu'elle a fait ce travail qu'elle a besoin de faire. C'est-à-dire qu'elle a pris confiance en elle, qu'elle a pris conscience des choses et qu'elle se sent suffisamment à l'aise, tu vois, pour y aller et venir, en fait. Et même si vous êtes en couple, hein, ça peut être, voilà, ta personne, elle est peut-être distante en ce moment, mais en réalité, elle a besoin, en fait, de ce temps. Elle a besoin de prendre confiance, elle a besoin d'avoir un plan, elle a besoin d'être rassurée et de constater qu'en fait, bon, elle est à la hauteur et surtout, elle va gérer, en fait, tu vois. Mais il y a un travail qui est fait. Je te l'ai dit, c'est une connexion qui fait que vous vous soignez mutuellement. J'ai le 21 ou le 3 qui peut être une confirmation de cette guidance. Allez, pour mes amours, en conclusion avec ta personne de cœur, là, avec cette personne. Ok? J'ai la... Ok. Ouh. Ok. Bon. Alors déjà, je vais donner des chiffres. Des chiffres et des lettres. Pardon. Voilà. On est à presque une demi-heure là. Ça y est. Je te donne des chiffres et des nombres. J'ai le 10, le 1, le 11, le 2, le 5, le 1 à nouveau et le 4. Le 3, qui peuvent être significatifs. Concrètement,
J'ai des personnes qui ont soit coupé quelque chose, alors clairement coupé la communication, ou qui ont mis un coup de fouet en fait, qui ont possiblement peut-être que tu as dit à cette personne quelque chose, il y a une communication ou quelque chose, ou un avertissement que tu as fait, tu as dit à cette personne, bon voilà, c'est soit ça se passe comme ça, soit merci, au revoir. Et en fait, c'est comme si on était en train de me montrer que possiblement, alors là j'ai plusieurs messages. Soit concrètement, pour moi j'ai la récolte après une période difficile, possiblement avec cette personne. Vous allez revenir à la communication, mais ça peut se faire après un long moment. C'est comme si en fait le fait de lâcher prise dans la situation, le fait de couper avec ce qui est toxique ou ce qui ne va pas ou etc. etc. ou peut-être de mettre un terme à une dispute possiblement ou à un désaccord, enfin voilà. C'est ce qui va te permettre de récolter. Et à la suite de ça, pour moi, j'ai une communication avec cette personne qui vient tout changer. Mais vraiment. Mais ça passe par plusieurs étapes. Et à l'heure actuelle, je ressens. Alors, j'ai peut-être vraiment des personnes qui sont en rupture, ok. Et c'est un peu comme un pari sur l'avenir. Hein. C'est en mode, je coupe, j'arrête. Et le fait d'arrêter, en fait, bah, c'est ce qui va te permettre de récolter. Pour des personnes, certaines personnes, ça peut être aussi le fait eh bien, d'avoir stoppé quelque chose et puis de se remettre à sortir, d'accord, et rencontrer la bonne personne. Finalement, cette personne, peut-être qu'elle aura été dans ton chemin de vie juste une connexion qui te soigne ou qui aura eu vocation à te soigner pour eh bien, te permettre de rencontrer la bonne personne. C'est possible pour certaines personnes. Vois comment ça résonne en toi, tu vois. Si typiquement, depuis le début, tu te dis, ok, très bien, oui, c'est exactement notre situation, mais cette personne, je ne suis plus avec, je ne veux plus être avec elle, et concrètement, je sais, je ressens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Voilà, écoute-toi. Pour d'autres personnes, effectivement, bah, il s'agit de la même relation. Pour moi, vous allez surmonter en fait tout cela, mais les choses, elles prennent du temps. Et ce flou, tu vois, je dis tout le temps. Évidemment, après la tempête revient le calme, mais surtout, même la nuit la plus sombre prendra fin et le jour se lèvera. Tu connais cette phrase, hein? Pour moi, ça te permet de récolter. Tu vas sortir du flou et tu vas être dans l'abondance. Mais typiquement, là, j'ai clairement des personnes qui vont avoir à faire un choix, possiblement entre deux personnes. J'ai d'un côté un homme ou une femme extrêmement fort ou forte, avec des énergies très affirmées, concrètement une personne qui a une grande confiance en elle, et une personne qui vraiment est une personne solide, d'accord? Soit qui fait partie de ta vie, soit qui va faire partie de ta vie, d'accord? Que tu vas rencontrer par la suite. Et une autre personne avec des énergies plus jeunes, même si elle n'est pas plus jeune en âge, mais en tout cas au niveau de ses énergies, ça peut être voilà, hein, une personne qui a des énergies jeunes, qui est cool, qui est, tu vois, et qui est très romantique, et qui est plus sensible et plus douce, concrètement. Et toi, en fait, ce que je te vois, alors j'ai vraiment des personnes qui vont s'engager officiellement avec une personne ou dans un projet, ça peut être annexe. J'ai un lien aussi avec un ancrage familial, ça peut être une maison également. Pour certaines personnes, ça peut être un héritage. Bon, on voit comment ça parle. Mais j'ai vraiment quelque chose en lien avec un déménagement ou une maison familiale, ou alors il est question de ton domicile, enfin je dis familial, mais tu peux être formé une famille avec juste ton autre, ton partenaire, enfin ta femme. Ton mari, peu importe, ou alors juste même toi avec toi-même ou tes enfants ou tes animaux de compagnie. Enfin, tu vois, un domicile en tout cas, je vois un logement, je vois quelque chose. Et c'est quelque chose qui est guidé, c'est quelque chose que tu vois venir. J'ai une forme d'engagement. Si ça n'a pas du tout, pour toi, ça ne te parle pas, cet engagement. En lien avec un bien ou un domicile ou un logement, ça peut être tout simplement quelque chose qui est officiel, typiquement, ça peut être un contrat de travail, ça peut être
un investissement officiel que tu fais, ça peut être aussi pour certaines personnes un mouvement dans quelque chose d'administratif. J'ai parlé aussi d'héritage, ça peut être quelque chose d'administratif ou de juridique. Typiquement, ça se trouve, t'es en procédure de divorce, tu vois. Voilà, vois comment ça te parle. Mais quelque chose qui est officialisé, quelque chose vraiment qui est officiel hein, et c'est guidé, hein, pouf. Et c'est quelque chose qui vraiment t'apporte un ancrage et qui va mettre fin à tout ce qui a été toxique. Ça peut aussi être quelque chose qui fait parler les gens ou des personnes jalouses ou... Oui, possiblement. Ça peut attirer la jalousie. Bon, je le dis tout le temps, hein, quand on réussit, quand on est heureux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà, il y a certaines choses que tu dois garder sous silence. Voilà, c'est nécessaire. Ça peut concerner ta relation, ça peut concerner tout un tas de choses, ça peut concerner... Tu vois, typiquement, il y a des personnes qui se réjouissent de tes réussites, qui sont un soutien, qui sont là pour toi, qui sont fiers. Et c'est magnifique. Et il y a d'autres personnes, eh bien, qui sont renvoyées à ce qu'elles n'ont pas et qui peuvent éprouver de la jalousie ou de l'envie. Ça peut être de l'envie, tout simplement. Ou alors, ça peut être aussi, autour de la relation, une énergie voilà, qui ne se réjouit pas nécessairement ou qui peut avoir une influence, typiquement. Ça peut être le bon copain ou la bonne copine qui donne les conseils. Mais bon, parce que, en fait, cette personne n'est pas dans une bonne phase de vie et donne pas forcément les bons conseils. En tout cas, ce que je vois, c'est un exemple. Mais bon, ne te soucie pas de ça. De toute façon, de manière générale, mes amours... les énergies tierces, tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut faire du mal, voilà, bouclier de protection, et hop, voilà, ça les regarde, tu t'en fiches, concrètement. Toi, je te vois en tout cas dans un engagement solide avec quelqu'un, que ce soit cette personne pour laquelle tu vas regarder, ou alors une nouvelle personne, ou alors la personne avec qui tu es, et en fait, celle qui est venue dans tes énergies, c'est un ex ou une ex possible. Je te vois... construire quelque chose de concret, quelque chose de solide. J'ai le 19 aussi qui peut être significatif, ou le 10 à nouveau, le 20 pour certaines personnes, le 24, le 5. Ok. C'est magnifique. Franchement, voilà. Pour moi, j'ai l'engagement, le fait d'être en couple, d'être en amour avec quelqu'un. Et si tu me dis non, je ne veux rencontrer personne, Lily, non, c'est voilà, c'est terminé pour moi ou pour le moment, ça peut être vraiment la bonne surprise, clairement. Et si ça n'est pas ta volonté, ça peut être le fait d'être en amour avec toi-même, tout simplement. Vois comment ça résonne. En tout cas, moi, je vois quelque chose de très, très, très solide qui vient après tout ça. Mais pfiou, ça en est passé des choses, hein. On est passé par là, par là, par là. C'est compliqué, hein, mais ça arrive, c'est magnifique. En tout cas, c'est destiné pour moi. Ok, super. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Laisse-moi un joli cœur, une maison, quelque chose qui est solide. Est-ce qu'il y a une encre aussi en emoji? Quelque chose de solide, le cœur ou un couple également. C'est très, très, très positif ce qui t'attend. J'ai adoré cette guidance. Les énergies sont belles. Vraiment, elles sont très belles. Donc, à toi de voir. J'ai hâte de te lire en commentaire. Donc, voilà, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. On se retrouve très vite, mes amours, pour de nouvelles guidances. En attendant, je t'envoie tout mon amour. Et toute ma lumière. Et je te dis à très vite.